Le monde revient à Dieu par Marie. Jour 10. Et Dieu de mépriser le monde et de servir Dieu. Imitation du Christ, livre 3, chapitre 10. Maintenant, encore je parlerai, Seigneur, et je ne m'éterrai pas. Je parlerai à lui de mon Dieu, mon Seigneur, mon roi qui est aux cieux. Combien grande est, ô Seigneur, la multitude de tes miséricordes que tu as accumulées pour ceux qui t'aiment. Mais qui es-tu pour ceux que tu aimes? Qui es-tu pour ceux qui te servent de tout leur cœur? Vraiment, au-delà du pouvoir des mots, de la douceur de la contemplation que vous donnez à ceux qui vous aiment. Tu m'as montré la douceur de ta charité, surtout en m'ayant fait quand je n'existais pas, en m'ayant ramené pour te servir quand je m'étais éloigné de toi, en m'ayant commandé de t'aimer. Fontaine d'amour incessant, que dirais-je de toi? Comment puis-je t'oublier? Toi qui as été heureux de te souvenir de moi, même après que j'ai péri. Vous avez fait preuve de miséricorde envers votre serviteur, au-delà de tout espoir, et avait fait preuve d'une grande et d'une amitié au-delà de ce qu'il mérite. Quel retour te ferai-je pour te rendre grâce? Car il n'est pas donné à tout homme d'abandonner toutes choses, de renoncer au monde et d'entreprendre la vie religieuse. Est-ce que quelque chose de grand que je devrais te servir, que chaque créature est tenue de te servir? Cela ne devrait pas te sembler grande chose. Au lieu de cela, il devrait paraître grand et merveilleux ce que vous condescendiez à recevoir à votre service à quelqu'un qui est si pauvre et indigne. Voici, toutes choses sont à toi, même celles que j'ai et par lesquelles je te sers. Voici le ciel et la terre que tu as créés pour le service de l'homme. Tenez-vous prêts, et chaque jour ils font tout ce que tu commandes. Mais même celle-là, peu, car tu as aussi nommé des anges pour te servir l'homme. Oui, plus que toutes celles-là, toi-même, tu as daigné servir l'homme et tu as promis de les donner toi-même. Quel retour vais-je faire pour toutes ces milliers d'avantages? Est-ce que je pourrais te servir tous les jours de ma vie? Ne serait que pour un jour, je pourrais te servir dignement. Vraiment, tu es digne de tout service, de tout honneur, de toute louange éternelle. Vraiment, tu es mon Seigneur. Et je suis ton pauvre serviteur, tenu de te servir de toutes mes forces, tes louanges sans jamais se laisser. Je souhaite le faire, c'est mon désir. Est-ce que vous fournissez tout ce qui me manque au monde? C'est un grand honneur
une grande gloire de te servir et de mépriser toutes choses à cause de toi. Ceux qui livrent volontiers à votre très saint service posséderont une grande grâce. Ceux qui rejettent tous les délices charnels pour votre amour trouveront la plus douce consolation du Saint-Esprit. Ceux qui engagent sur le chemin étroit de ton nom et rejettent tous les soucis du monde attendront une grande liberté d'esprit. Veni Creator Spiritus. Viens Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut le cœur que tu as créé. Toi comme nom consolateur, don de Dieu très haut, source vivante, feu, charité, l'onction spirituelle. Tu es l'Esprit aux sept dons, les doigts de la main du Père, son authentique promesse, celui qui enrichit toute prière. Faites briller en nous ta lumière, répands l'amour dans nos cœurs, soutiens la faiblesse de nos corps par ton éternelle vigueur. Repousse au loin l'ennemi, donne-nous la paix qui dure, que sur ta prévenante conduite, nous évitions tout le mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous les fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit au Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, et à l'Esprit Saint Consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ave Maris Stella. Salut, étoile de mer, auguste mère de Dieu. Salut, ô toujours vierge, heureuse porte du ciel. Vous qui avez agréé le salut de Gabriel, daignez, en changeant le nom d'Ève, nous donner l'ave de la paix. Délivrez les captifs, éclairez les aveugles, chassez loin tous nos maux, demandez pour nous tous les biens. Montrez que vous êtes notre mère, que par vous reçoit nos prières celui qui est né pour nous, a bien voulu être votre fils. Ô Vierge incomparable, tous entre toutes, obtenez-nous avec le pardon de nos fautes la douceur et la chasteté. Obtenez-nous une vie pure, écartez les dangers de notre chemin, afin qu'admis à contempler Jésus, nous goûtions l'éternelle joie. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, louange au Saint-Esprit, aux trois, un seul et même hommage. Amen. Magnifica. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les sages me diront bienheureuse. Le puissant fuit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de biens les affamés et renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur et il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.